Au niveau texte, j'ai rien à dire, de toute façon. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit dimanche avec moi. Mon mec n'est pas là, il est parti pour 3 semaines aux États-Unis et donc j'ai décidé de profiter de ce temps là pour retaper la fin de l'appart et lui faire une surprise, et je vous partage tout ça sur Insta, donc si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à aller me suivre. Sauf que mon but c'est vraiment de faire ça avec pas de budget, donc vous allez voir, c'est un peu le bordel, mais je vais vous montrer aujourd'hui en détail ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de préparer. Ce matin là j'ai fait full montage, genre j'ai fini le montage du vlog qui sort aujourd'hui. En ce moment je charbonne, je vous jure je vois quasi personne. Enfin non, hier il y a Nico qui est venu. T'aimes bien l'appart? Je valide de ouf par rapport à ce que c'était avant. Donc j'attends de voir la déco. Mais ouais non, je valide fort. Là on a fait un petit apéro. Donc ouais. J'ai reçu ce vin sans alcool, ce rosé sans alcool. On va goûter. Nico adore le rosé. Attends, c'est où? Non, ils l'ont pas mis, c'est trop bizarre, ils l'ont pas mis dans les notes, mais ils l'ont mis dans... Il y a ma soeur qui est venue aussi passer quelques jours à Paris, donc voilà, j'ai quand même vu des gens. Mais je sors pas de chez moi, je travaille la journée sur mon taf normal, genre mon taf d'agent. Et dès que j'ai du temps libre, je crée et je fais des vidéos, des trucs pour mes réseaux. Franchement c'est grave plaisant parce que ensuite en août je vais partir dans le sud. Encore une fois je bosserai toujours juste sur un distanciel, mais c'est vrai que j'ai envie de m'accorder beaucoup de temps libre et que les moments où je suis pas en train de faire mon 35 heures, je profite avec les potes de mon mec, avec mes potes qui seront dans le sud aussi. J'aime trop cette vibe, moi je suis quelqu'un d'assez solitaire, mis à part le fait que j'ai un peu des angoisses. Là ça va un peu mieux parce que ça fait plusieurs jours, mais j'ai extrêmement peur de la mort et du fait de mourir et du fait que mes proches meurent. Quand je suis toute seule, j'ai l'impression que je vais mourir constamment. Voilà, c'est un peu glauque pour commencer. Le seul point négatif du fait d'être toute seule, sinon je m'en fous, j'adore ça. Il est temps de vous montrer la pièce secrète, puisque je ne vous l'ai pas encore montrée sur YouTube. Attention, oh, je suis trop excitée. C'est le bordel, mais voici la pièce secrète qui est le salon. Mais il faut se projeter. Déjà, à la base, c'était vide. J'ai trouvé un canapé. Il est énorme. J'avais pas qu'à là qu'il serait aussi grand, mais bref, on a galéré à l'amener. Mais voilà, il est très cool. Maintenant j'ai le canapé, je suis trop contente. De base c'était la chambre des gens qui était avant nous ici. Et nous on s'était dit bah quelle bonne idée de mettre la chambre de l'autre côté parce que c'est lumineux, c'est trop cool. Moi je pouvais mettre mon bureau. En fait je parle pas trop fort, mais mon voisin il est toc toc. Genre tous les matins il fait sonner son réveil pendant 4 heures. Mais c'est pas une blague, hein. Y a pas un matin. Les peu de gens qui ont dormi chez nous, ils étaient en mode mais comment vous faites? Et ben je ne dors pas, je n'ai eu aucun cycle de sommeil normal depuis qu'on est arrivé. Ça fait donc un mois qu'il nous fait chier, on a déjà essayé de toquer. Genre dites-vous, le matin, c'est moi qui le réveille. Je suis là contre son mur, comme ça. Lui j'ai décidé que j'allais aller le voir, sauf que ça me fait un peu peur parce que je suis une meuf toute seule et que bah je veux pas m'embrouiller avec mon voisin, mais au bout d'un moment. Ça pour dire que cette pièce est beaucoup plus silencieuse, mais un peu plus sombre. Mais en vrai ça va, ça reste quand même exposé, juste là aujourd'hui il fait pas beau. En gros l'idée c'était de partir quand même sur une pièce un peu colorée parce que la chambre on va rester dans des tons bleus très sobres, très blancs pour ne pas se lasser, mais moi je voulais que le salon soit vraiment coloré et mon mec était assez d'accord avec ça, donc on partait sur du vert clair parce que bah, le mur est vert clair, on n'a pas trop le choix, du beige puisqu'il y a du beige ainsi que du mauve. Le canapé il a coûté 200 €, en vrai je trouve que ça va parce qu'il est énorme, c'est un canapé de bonne qualité. Encore une fois là c'est le bazar, mais on compte aussi mettre un petit peu de noir et doré. Vous allez vous dire mais c'est n'importe quoi, mais il faut avoir la vision. Ça je pense qu'on va le donner, mais tout simplement parce que bah on a déjà des meubles noirs, on va pas non plus donner un piano quoi, donc faut que ça s'adapte au mood. Et donc là ça fait 2 jours que je fais des DIY parce que je me suis mis en tête de vraiment faire des décorations moi-même, donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Oula. Par exemple hier j'ai fait ce vase qui franchement est stylé, il faut que je le ponce en fait, et je vais vous montrer un peu comment je fais et tout. Je garantis pas que tout soit beau, l'idée c'est vraiment de se rapprocher des trucs que je peux voir sur Pinterest, que je kiffe trop, mais qui sont compliqués sans budget. Et donc bah, je me suis dit qu'aujourd'hui j'avais besoin d'emmener dans cette petite après-midi créative pour changer, parce qu'à la base je suis quand même quelqu'un de très créatif. J'avais une chaîne YouTube, enfin cette chaîne YouTube était une chaîne YouTube de Fimo et de DIY hein, il y a 12 ans. Donc voilà, on retourne aux bases. On est en automne, genre vraiment c'est pas possible, là il pleut. En mode genre vraiment il pleut, regardez. J'ai avancé sur ce meuble et franchement je suis assez fière de moi. Donc pour vous montrer, ça je l'ai, oui je me suis ouvert le doigt, ça je l'ai poncé, pas trop non plus parce qu'en fait l'erreur que j'ai fait c'est que ce pot était à la base genre marron foncé, donc ça se voyait en dessous, mais bref en vrai je trouve le rendu passe de ouf. Et là c'est ma création, en vrai je sais pas si je laisserai, mais vas-y c'est galerie pour notre Arangès. Là j'ai mis mon petit miroir. Je suis grave contente du résultat. Ici c'était une vieille guirlande que j'avais et je n'ai jamais vos guirlandes. Après faites gaffe, genre laissez pas allumer quand vous êtes pas là. Mais moi à chaque fois je les mets dans des pots, même si elles sont
genre emmêlée. Là, faut que je mette plein d'affiches. Franchement, sachez que je trouve ça tellement satisfaisant de faire des activités manuelles. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait, mais j'ai commandé des affiches et j'en ai d'autres. Mais j'ai envie de vraiment genre partir dans un délire, un peu genre what the fuck dans le salon. Enfin, que les gens ils viennent et ils se disent ah ouais, genre c'est pas un appart témoin. Enfin, c'est genre c'est vraiment un appart où il y a de la vie, où les gens ils ont réfléchi. Et qu'il n'y ait pas d'histoire de c'est beau ou c'est moche. Je me prends un peu pour une artiste, hein. Vous avez capté, genre le but c'est pas que ce soit ultra esthétique, parce que encore une fois, la chambre ce sera plus un truc hyper épuré. Donc je vais peindre ce petit truc d'aquarelle qui est ma belle-sœur, je pense, la sœur de Taïn. Mais comme quoi qu'elle m'aime bien, elle va pas m'en vouloir. Et j'ai acheté ce petit pot de peinture mauve. De base c'est pour les meubles et tout, mais là je vais juste en gros recouvrir. Je sais pas, enfin non, je vais juste recouvrir toute ma feuille de ça. Et après, je découperai des petites bouts dans cette feuille pour en faire des sortes de collages avec d'autres photos et tout. En fait, il y a une pote de Taïn aussi qui va venir ce soir. Trop drôle, genre, je vois ses potes sur lui, mais maintenant c'est une pote aussi, mais c'est marrant. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir toujours des rappels des couleurs principales. Et c'est pour ça qu'avant, moi, j'avais que des décos bleus. Parce que tout simplement, j'avais que des meubles bleus, je kiffais ça et tout. Et j'essayais d'avoir des rappels de bleu. Et là, j'essaie vraiment de sortir de cette zone de confort et d'avoir d'autres couleurs. Sachant que sur les réseaux, souvent, les gens vont pas se mentir. Soit ils ont beaucoup d'argent donc c'est facile de trouver des belles pièces, soit c'est des gens qui s'y connaissent de ouf en déco. Mais moi j'y connais rien quoi, enfin à la base je trouve que je suis pas très très forte en déco, donc j'essaie de m'en sortir sans mon mec parce que lui par contre a vraiment du bon goût. Hop. Et d'ailleurs en parlant de sa mif, c'est trop drôle parce que mon mec il dessine hyper bien aussi, il chante super bien, il dessine super bien, et sa sœur est illustratrice et c'est elle qui a fait le merch de notre concert, je vous montre. Qui est une affiche, en fait c'est moi qui fais le croquis, vraiment le croquis hein, de loin, enfin genre les idées c'est moi que j'ai complété avec Taïn, et après elle a tout mis à exécution et c'est incroyable. Pour l'instant on la vend pas en dehors des concerts, mais elle vous avait beaucoup plu au concert et c'est vraiment un truc personnalisé, genre il y a que des clins d'œil, on a mis des clins d'œil partout, c'est pas du tout juste une affiche où on voit nous. Voilà, là il y a Noémie, c'est moi qui l'ai mis ici. Et enfin bref, il y a plein de petits détails, il y a même des détails, il y a que Taïn et moi qui les comprenons entre guillemets, parce que c'est des liens entre nous et tout, mais il y a beaucoup de détails que les gens peuvent comprendre, donc n'hésitez pas à aller la suivre, elle fait du très bon travail, elle fait des très belles illustrations, et voilà quoi. Si vous voulez vraiment suivre quelqu'un de très talentueux, plutôt que suivre mes conseils, allez acheter ces trucs. Hop. Franchement il y a une autre vie, il y avait un monde alternatif où j'étais grave une artiste. Après je kiffe quand même la photo, je fais beaucoup de photos, enfin là j'en fais un peu moins. Ah oui d'ailleurs j'ai trop envie de vous en parler de ça. Pourquoi je fais moins de photos? Parce que ce milieu m'a dégoûtée. En fait je veux pas en parler sur TikTok parce que j'ai une grosse commu qui m'a suivi pour la photo. Et pas du tout que j'ai peur de perdre ma commu, juste j'ai peur que les gens disent ah ouais on te l'avait dit, c'est pas un milieu facile et tout. J'ai jamais dit le contraire, hein. C'est pas ça le problème. C'est juste qu'à un moment je ne vais pas me battre pour faire des photos sans être payée, sachant que bah encore une fois j'ai un taf à côté et que moi je veux bosser avec des gens, moi je bosse surtout en concert, je kiffe ça. J'ai envie de bosser avec des gens qui aiment mon taf et qui ont envie de bosser avec moi. Je veux pas commencer à forcer les gens. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sauf que ce milieu là c'est que du grattage, enfin en tout cas de ce que j'ai vu. T'as beau aimer trop l'artiste, il a beau te demander de faire des photos pour lui, il va toujours essayer de négocier ton prix et tout. Et pourtant je passe ma vie à négocier avec des marques et tout, mais là c'est pas pareil, il y a rien qui est cadré. Donc quand t'essaies de cadrer les choses, tu vas te prendre des remarques en mode ah ouais mais t'es là que pour l'argent et tout, bah non pas du tout, juste métier passion ça va 3 minutes quoi. Donc je fais moins de photos, c'est aussi que j'ai moins de temps, hein. J'aime toujours autant, je suis toujours je kiffe enfin, d'adrénaline de prendre des photos et tout. Sauf que bah en fait maintenant c'est plus un choix qu'autre chose de ne pas avoir forcément d'accréditation ou de pas bosser avec des artistes. Je préfère autant prendre mon petit appareil quand je vais à un festival ou à un concert et faire des photos pour moi, et genre en plus souvent elles marchent bien sur les réseaux donc c'est trop cool, j'ai grave des retours, ou faire des photos pour mes potes artistes plutôt que en faire pour des artistes qui ne sont pas du tout redevables. Et en étant une petite meuf de 23 ans je pense que ça n'aide pas, donc voilà. Après je kifferais de ouf me remettre à la photo justement ici et tout, mais que pour mon plaisir, genre j'ai plus envie de gagner de l'argent avec ça. Sauf si ça vient à moi et que les artistes viennent à moi et que ça se passe bien et que je kiffe leur musique. Mais je me vois pas gagner de l'argent, genre avoir cette activité principale. Parce qu'en fait j'aurais peur justement que ça tue cette passion, le fait d'en faire mon métier. Mais voilà, néanmoins si vous êtes un artiste respectueux, n'hésitez pas à faire appel à moi. Ce sera un plaisir. J'ai reçu 1, 2, 3, 5 toiles. Ok, au niveau de la couleur ça me paraît bien, regardez. Bon c'est pas pareil mais ça reste dans les mêmes tons. Ok, donc ça va être pour recouvrir la table. Et ça va être pour... faire un DIY. Donc là le but en gros c'est de faire des sortes de déco pour la chambre cette fois-ci avec du bleu marine. J'ai aussi acheté de la peinture bleu marine. Je pense que je vais vous filmer un format court
pour Insta un peu chit-chat. Parce que encore une fois là j'ai fait une petite pause sur les contenus appart parce que je suis en train de pré-filmer, mais une fois que tout sera done, genre tout sera fait, je pourrai tout poster d'un coup et il me faudra pas mal de contenu. Trouve une bonne raison de faire du surplus. Ça fait 2 heures que je suis censée. Ok les gars, voici mes 2 premières heures. Franchement, j'aime bien. Genre venez pas me dire que vous n'avez pas en commentaire, je n'écouterai pas. C'est pas parfait, non je rigole, mais franchement, sans point de délire genre artistique. Mais franchement, j'ai trop hâte de voir et j'hésite à en faire un troisième un peu plus what the fuck. Son caractère un sacré cocktail, toutes ses relations s'importaient. Bon les gars, j'ai fait un deuxième tableau en mauve parce que comme je vous le disais, la vibe ça va être un peu mauve. D'ailleurs cette lampe on va la donner, genre pas très cher. Franchement je suis contente, genre la vibe est là. Et dites-vous que bah tout le matos ensemble, j'en ai eu pour quand même pour pas donner. Genre j'ai dû en avoir pour 60€, peut-être un peu plus, mais parce que genre il y a des trucs que j'ai dû commander en ligne, j'ai pas, enfin j'ai acheté à Paris quoi. Genre je pense que ça coûte moins cher autre part. Mais j'ai quand même fait 4 tableaux et ensuite tout le matos, bah je peux faire plein d'autres trucs avec. Genre j'ai déjà pris le pot et tout. Et en vrai je suis trop contente parce que le fait d'avoir un mur vert, ça m'a grave challengée dans la déco. Alors que si ça avait juste été blanc, je pense que ça aurait parti bah, sur la même déco que tout le monde. Mais non là ça change. Donc voilà, j'ai trop hâte. Et je pense que je vais essayer de mettre la table, enfin de recouvrir avec le truc. Ça c'est un peu le crash test parce que les tableaux en vrai je me suis dit je trouverais toujours une idée. Mais la table ça va être le bordel. Par contre si ça réussit, ça va être incroyable. Enfin genre c'est pas pour me vanter mais je pense que ça peut rendre vraiment bien. Surtout que mon mec il est choc barre parce que lui il est parti, il y avait rien. Il y avait rien dans le salon, c'était le bordel. J'ai soigné les plaies de son cœur, maintenant pour moi elle donnerait sa vie. Est-ce le syndrome du sauveur qui me pousse à m'aligner sur elle ainsi? Face à ses succès, ses caprices. On arrive au point tant attendu de la table. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Je vous avoue j'ai un peu peur, je sais pas si ça va être la bonne taille. Je pense qu'il va y avoir grave des grumeaux et tout, ça va être la merde. En vrai, c'est pas mal. Quand je te laisse, tu me dirais. Quand je suis pas là, ça te plaise. Mais on se regarde plus dès qu'on est dans la même pièce. Quand je te laisse, tu me dirais. Quand je suis pas là, ça te plaise. Bon, les gars, c'est trop la merde parce que c'est pas beau. Genre, vraiment, c'est. En fait, la couleur ça va, mais je vais vous montrer. Il y a grave des petits trucs comme ça là. Et en plus, bah genre quand j'essaie de les enlever parce que c'est pas très grave, ça abîme de ouf le truc, c'est vraiment de la qualité de merde. Mais comme il m'en reste, je me dis la seule solution, sachant que je trouve que ça rend bien en vrai, c'est de genre la coller. Ne pas enlever le collant là, mais juste de le coller sur ça. Est-ce que j'ai de la colle forte? Je crois pas. Les gars, je vous avais pas montré la fin, tout simplement parce que y avait la pote de Dan qui était venue le soir et je sais pas, on a bu des verres et tout, enfin bref j'ai oublié. On est après-demain et j'ai fini la déco, enfin fini, tout est relatif dans le sens où je vous invite à vous abonner parce que je vous ferai un room tour, enfin un apartment tour dans les prochaines semaines, prochains mois quand tout sera vraiment fini, mais j'ai vraiment bien avancé sur la déco. Je suis trop contente de vous montrer ça. Un truc pour cacher les fils, mais voici la table. La table, je vous avoue que elle est claquée au sol déjà, je l'ai pas fini. Mais le truc que j'ai mis par-dessus est nul. Mais c'était plus pour la couleur, mais bon, c'est un peu dommage. Genre j'aime trop, genre c'est vraiment dans les tons mauves, c'est très chargé, hein, c'est fait exprès. Genre je voulais que ce soit pas du tout épuré parce que dans notre chambre c'est très épuré. Je suis en train de refaire un peu la déco, mais ça va faire limite genre truc voilà très classe. Alors que là le but c'est que ça fasse vraiment convivial quand on invite des copains et tout. Et ensuite ici pareil j'aime beaucoup, j'ai mis plus une DA un petit peu dorée pour que ça aille avec le noir. Mais il y a un peu des rappels dans toute la pièce à chaque fois, des couleurs qui sont doré, noir, mauve et vert. Bon, on n'a pas eu le choix pour plein de couleurs, mais vous avez capté. Trop contente du rendu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous kiffez. Et je suis trop contente d'avoir fait ça toute seule, d'avoir fait la petite surprise à mon mec. Vous inquiétez pas, il va pas regarder les vidéos, il s'en fout là, il a 20 internet aux États-Unis. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner parce que la table, pareil, je pense qu'on va changer. On va mettre des tapis différents. Je pense qu'on va acheter aussi d'autres décos. Et franchement, je kiffe trop. Genre, vous partager de la déco, vous faire des petits DIY, des trucs comme ça. Parce que la plupart des choses, je les ai fait toute seule. Mais il y a des DIY que j'ai fait un peu comme ça. Enfin, genre, j'ai découpé. Enfin, j'ai peint, j'ai découpé. Il y a le tableau que j'avais fait qui rend trop bien aussi. Pareil, des fois, voilà, j'ai découpé exprès. Ça, là-haut, c'est moi qui l'ai fait. Ça, tout n'est pas parfait, mais je voulais vraiment pas que ce soit juste des trucs que je colle comme ça. Je voulais rechercher un peu plus, on va dire. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire si vous kiffez ce type de contenu. Je fais des gros bisous et bye. Quand je te laisse, tu me dirais. Quand je suis pas là, ça te plaise. Mais on se regarde plus dès qu'on est dans la même pièce. Quand je te laisse, tu me dirais. Quand je suis pas là, ça te plaise. Je rentre qu'après avoir.